C'est à cause de gens comme vous que la terre est en perdition, qu'il n'y a plus d'oiseaux pour voler, qu'il y a des canettes de bière partout, que les eaux sont polluées, sont vertes, sont jaunes, mais pas bleues. Il n'y a plus de nuages, il fait trop chaud l'été, il fait trop froid l'hiver. On crève tous. Arrêtez, ne l'écoutez pas, il est encore temps. Arrêtez. Les oiseaux non plus ne chantent plus. Les chiens n'aboient plus. Il n'y a plus de poissons dans les rivières. Il n'y a plus rien. C'est le néant. Mais il est encore temps. Écoutez-moi, moi. Ne l'écoutez pas, elle. Surtout pas. Jamais content en fait, hein. Non, jamais content. Carrément méchant, jamais content. Ah, vous la connaissez pas celle-là, hein? Si je t'ai fait un coca, ça va pas se voir. Ça va pas se voir. Quand t'as fait un coca, toi? Un coca. Un coca? Un coca. Ah, j'ai compris, un coca pour boire, un coca, ok. Un coca. Bah là, vas-y. Alors... Mais tu vas pas les écouter, ces deux petites merdeuses là, tu les connais à peine. Tu devrais retourner avec les autres là-bas. Pardon. Qu'est-ce que tu viens de nous embêter? Je viens déranger parce que j'ai découvert mon ami comme ça, allongé, et sans ses amis. Qu'est-ce qu'il fait là? Ouh là là! C'est compliqué à expliquer, mais c'est pas trop ton problème, donc retourne chez toi. Mais comment ça, retourne chez toi? Je suis très bien ici, là. Oh, vous arrêtez là. Ah, c'est bon, je devrais retourner avec les autres. Oh, mamie, voilà, rendors-toi, si tu veux pas te savoir ici. Maintenant, tu rentres chez toi, ok? Aïe, aïe, aïe. Après, c'est chez moi. Mais il n'y a pas de porte. C'est normal, c'est la nature. Oh! Ah. Qu'est-ce que tu manges? Oui. Oh, les tomates! Les pommes! J'ai faim! Qu'est-ce que c'est, ce machin-là? C'est pour le vin, faut pas toucher. Dis donc. Je dois rien toucher, finalement. Hein. Ouais, c'est vrai, on peut bien toucher chez toi. Hein. C'est dangereux. Oui. Mais c'est pas trop dur de vivre dans la forêt? Bah non, c'est juste de savoir faire. Tu veux quoi? Je veux tout, moi! Non! Arrête! Repose ça! Tes fruits, tu ne les as pas gagnés! Et il faut que tu saches que pour avoir quelque chose, tu dois avoir travaillé! Tu ne dois pas prendre! C'est quelque chose! Vous autres, les adultes, vous avez mal éduqué les enfants! Vous leur avez transmis des mauvaises manières! Et voilà ce que ça donne! Tu dois apprendre à partager! D'où tu sors, lui? Je suis ta conscience! Tu sors de quelle planète, toi? Moi, je dis ce que j'ai à dire! Je suis une sorte de conscience pour toi! Conscience? Oui! Prise de conscience? Voilà! Mais d'où tu sors, lui, vraiment? Il faut que tu apprennes à partager! Et tout ce que tu as, tu dois l'avoir gagné! Pour cela, il faut travailler! Tu ne le comprends pas? Bon, moi, j'ai faim, hein? Non, arrête! Attention! La nature reprend ses droits! Écoute-moi bien! Repense-y! T'es complètement fou! La nature reprendra ses droits! Malheureux! Repense-y surtout, hein!
C'est trop beau, j'aime trop. Oh, moi je prends celle-là, mais juste pourquoi il n'y a pas de fenêtre? Parce que c'est la nature. Ah d'accord. Il n'y a pas de matelas, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de gaz. C'est la nature. C'est la nature? Oui. Moi je veux un matelas. Un matelas? Mais on est dans la nature. Ah oui c'est vrai, on est dans la nature. Oh là là. Alors ben, on va dormir par terre. Je vais dormir par terre. Hein. Tu veux quelque chose? Tu vas exploser dormir ici, pas par terre. Bon ben, ok. Hé Rich, ici la rivière elle est pas polluée. Hé, mais ça veut dire qu'on pourrait se laver ici. Oui. Et alors? Vous croyez qu'autant des cavernes? Ils avaient le confort, ils vivaient avec rien, dans des pierres. Ils vivaient quand même. Et peut-être mieux que nous. Enfin, mieux que vous, surtout. Vous êtes trop habitués au confort. Ça va vous jouer un tour. Bientôt, vous n'aurez plus rien. Plus rien. Plus de wifi, plus de voiture, plus de matelas, plus de sommier. Plus rien, plus de lit. Non, mais tu te prends pour Robinson Crusoé ou quoi? Non, pas du tout. C'est pour toi, c'est pour vous que je le dis. Pas pour moi. Moi, je suis hors de tout ça, hein. C'est ah vrai oui, ça se voit, hein. Mais oui. Mais vous allez voir ce que je vous dis, hein. À ne pas faire attention à l'environnement, à rien. Vous allez tout perdre, hein. Alors habituez-vous à ça. Ah, mais moi, ça me va, hein. Ah, voilà. Moi aussi. Prends exemple sur la jeunesse. La sagesse vient d'eux. Tu verras ce que je te dis. Mais en attendant, il n'y a pas de matelas toujours pour moi pour dormir. C'est normal. Déjà, tu dors quelque part, tu devrais être content. Oui, voilà, encore une parole sage. Je vais faire être dans la rue. Tu es abrité ici, tu vois, du vent, du froid. C'est tout ce qu'il te faut finalement. Mais ça, tu t'en rends pas compte. Si t'es pas content, ta terre, elle est autre part. Voilà. Exactement. Pour moi, le choix est vite fait, hein. Ah oui, normal, t'as l'habitude, tu viens d'une autre planète. Qu'est-ce que tu en sais? Tu me connais? Moi je te connais mieux que tu ne me connais. On n'a pas élevé les moutons ensemble. Hein. Non, c'est vrai, c'est vrai. Mais je t'observe, hein. Je t'observe depuis longtemps. Ah ben observe-moi, je suis beau, hein. Je ne vais pas en juger. Mais par contre, je peux juger des actes que tu poses, hein, de ta façon de voir le monde. Et crois-moi, c'est pas forcément la bonne. Mais qui es-tu, toi, pour me juger? Tu comprendras plus tard. Quelqu'un qui veut simplement t'aider, mais qui n'arrive pas à le comprendre. Elle a tout compris. Je pense que tu devrais écouter ce que M. Percé. Il n'a pas tort. Tu comprends? Bon, vous avez compris? Ben oui, ça fait longtemps qu'on l'a compris. Hein. Tu vois? Elles ont un cerveau plus rapide que le tien. C'est à toi de réfléchir. Et alors là encore, prends-en de la graine. Des graines de quoi? Des graines de cerveau, des graines de cervelle, de cellules grises. Il t'en manque un petit peu, hein. Mais ça va venir. Merci. De rien. Tu vas aller me coucher maintenant? Ta chambre est prête. Merci. Merci pour tout ça. Hein. C'est très gentil. Hein. Je commence à comprendre maintenant. Pas naturel. J'espère bien. Et bon repos. Merci. La nuit porte conseil. Merci. Bon bah bonne nuit aussi. Bonne nuit. Bonne nuit tout le monde. Viens, je te présente ma mère. T'inquiète pas, elle est toujours là. Coucou maman. Tu sens le vent. Oh, c'est bon. Mais c'est
c'est bon, le vin. C'est quoi? Tu comprendras quand tu pourras en boire. T'es complètement ivre. Non. Si, ça se voit à ta tête. Ça te plaît pas? Non, ça me plaît pas que ma mère, elle boit. Mais j'ai pas besoin de toi. Voilà. Ça va? Oui. Comment tu t'appelles? La sauvageuse. Viens là, viens là. Allez, viens. Viens avec moi. La sauvageonne? Oui. Pourquoi? Parce que je vis dans la forêt. Tu te rappelles pas ton prénom? Oh. Oh, putain. Oh. Tu voudrais de moi, toi? Si je m'occupe bien. Si je m'occupe bien de toi. T'auras ce que tu veux. T'auras un lit avec des coussins. T'auras une douche chaude. T'auras une famille. Moi, je préfère la jungle. T'as pas de famille dans la jungle. J'ai des animaux. Que j'ai vu longtemps dedans. Donc t'as pas essayé autre chose? Peut-être qu'autre chose, ça serait bien, non? Je sais pas. Tu veux pas essayer autre chose? Juste un peu? Non. Non? Tu verras, je t'aimerai encore mieux que ma fille. T'as raison. Les enfants, c'est pas bien. On est mieux tout seul. Allez, ça va aller. C'est bien mieux de picoler, tu trouves pas? C'est bien. Voilà. Voilà ce qui arrive à cause des mères indignes. Et puis les pères, ben c'est pas mieux. Ceux qui en découlent sont des enfants à l'abandon, livrés à eux-mêmes, qui finissent on ne sait comment. Et puis des gens qui finissent seuls, sans soutien des enfants, d'une vraie famille. C'est bien triste. Je m'en tape. Pour le moment, dans pas si longtemps, tu ne diras pas ça. Pense-y. Pense-y bien. Je m'en tape. Pense-y, je t'ai dit. Je m'en tape. Dommage. Tant mieux. Tu te souviendras de mes paroles? Peut-être pas. Je te le signe en mille. Ah, t'as que ça à faire, monter sur un banc dans un espace public pour me faire la morale sur ma consommation d'alcool. Allez. Maman! 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 Maman, j'ai peur! T'es où? Maman, j'ai peur! Viens me chercher! Maman! Il va me manger! Pourquoi tu pleures, toi, encore? Parce que ma maman ne vient pas! J'ai perdu ma mère! Mais c'est normal, je suis sûre, elle t'a perdu. Elle a fait exprès, c'est sûr. Non, c'est pas possible, elle ferait jamais ça. Mais ta mère, elle préfère boire. Mais voyons. Je vais t'apprendre la vie, moi. La vie, c'est pas ça, on pleure pas comme ça, là, pour une bête. Non, mais n'importe quoi. Et t'as croisé quoi encore? Le monstre du Loch Ness aussi? Maman! Mais elle viendra pas! Pourquoi tu pleures encore, là? Parce que ma maman, elle m'a abandonnée. Mais
Viens avec moi. Vas-y, viens. Viens avec moi. Moi, je vais t'apprendre la vie, gamin. Et la vie, on n'appelle pas les parents et on pleure pas. Tu pleures encore? Tu pleures pas? T'as arrêté de pleurer? Allez, viens. C'était quoi cette bête? C'était une petite bête de rien du tout. Et toi, qu'est-ce que tu fais là? Ma mère, elle m'a abandonnée. C'est normal. Raphaël! Raphaël! Rafa! Hé, hey, vous là! Vous avez pas vu votre merde de chien là? Mais pour qui tu te prends, toi? J'en ai mis plein mes chaussures! Mère nature, elle a pas créé des chiens! Tu te dis que c'est la merde de mon chien? Eh ben, vous êtes le seul, la seule femme à traîner un klebs comme non, ça la là! Seule, il y en a plein partout! Non, pas du tout! C'est le seul qui serait capable de pondre un truc comme c'est ça là! Qui? Je te connais pas toi! Eh ben, excusez-moi, je suis le porte-parole de Mère Nature! Je protège les animaux et la nature! Excusez-moi, mais cette chose, ce n'est pas un chien! Voilà, t'as tout gagné, regarde! Maintenant, il te le fait devant toi! Voilà, maintenant, je suis assuré avec c'est vous! Un petit pipi en même temps? Allez! J'ai du papier si tu veux savoir pour ramasser. Eh ben ramassez-le. Donc, à la base, c'est pas mon, à la merde de mon chien ça là-bas. Vous utilisez votre jean troué là. Mais vous prenez pour qui? Je m'habille comme je veux, non? On ouais. est en pleine forêt, c'est la liberté, non? Et alors, vous croyez qu'ils sont libres les petits chinois qui l'ont fait votre jean? Bah ramassez-le. Bah, en plein milieu, il y a des mouches qui volent autour. Allez Eric, viens boire un coup, viens un peu fumer. Viens, allez, on a fait un gros pique-nique, on a tout laissé traîner, mais bon, c'est pas grave. Ne l'écoutez pas! Hé! C'est toi qui nous as tout vu! Hé! Il n'y en a pas d'autre! J'avais rien laissé pour moi! T'en as plus de cigarette! On fait quoi là? Ah, c'est pas possible! Y'a plus rien là! Et où sont où les mouflés? Le cher livret? Où sont les mouflés? Raphaël! Viens nous aider! Raphaël! Ils auraient pu nous servir, ils auraient pu nous servir à boire! Par exemple! Et ouais, ils pourraient aller chercher du pinard! Donc, il n'y a plus de pinard! Et oh, toi, tu fais quoi, toi, là? Raphaël! Mon maître! Accompagne-moi! Il est bourré, là? Hein? Et, oh! La nature! Sauvez-la! Oh! T'as pas honte? À ton âge? Oh! Y'en a plus! Y'en a plus! Protégé! Voilà, c'est ça, laisse-le dans la nature, on s'en fout! Non! Comme les bouteilles, on les vide ici. Quoi? C'est qui? Qui quoi? C'est qui, Raphaël? Ah, Raphaël! C'est qui? C'est Modigliani! C'est qui? C'est l'ancien, Raphaël! C'est le peintre! Ton bâtiment! Eh bien maintenant vous me voyez et vous m'entendez surtout. On a vraiment trop bu, hein, les gars. N'oubliez pas que la paresse est le lit du désœuvrement. Et le désœuvrement, le terreau du crime. Il est vraiment bourré, lui. Et c'est pas au fond de vos bouteilles que vous trouverez la solution à vos malheurs. Ne l'oubliez pas. Vous allez voir, vous vous rendrez compte que j'ai raison. Et dans pas très longtemps. Pas bien de montrer du doigt. Mais c'est pas bien ce que vous faites non plus là. Attends, il dit quoi lui? Et toi t'es quoi toi? T'es vivant ou t'es mort? C'est un mort-vivant. Plus vivant que vous. C'est ça. Un mort-vivant. Oh là là. Oui, oh là là. Lui, il fait de la pipologie. La pipologie. On ne comprend rien à ce que tu dis. Il faut se lever tôt pour rigoler tôt. Je peux vous orienter vers le vrai bonheur. Mais ça passe par votre volonté. Oh, viens voir époux, hein. Et si tu trouves. Ah, mais toi qui apparaît par magie, tu peux pas faire apparaître un épinard? Ça serait bon, ça, hein, Virginie. Parce que j'ai l'impression que tu en fumes, hein. Il faut vers le paradis. Tu n'as pas l'impression qu'il en fume un peu. Il fume la moquette.
c'est quoi tous ces papiers là par terre? Vous faites quoi avec ça? Pourquoi vous avez tout ça? Qu'est-ce que vous faites? C'est quoi ça? On a picolé. Vous nous apportez à boire? Mais vous avez rêvé ramasser tout ça? C'est pas bon pour la nature. Oh, ramasse. Ramasse. Ta mère, elle est où? Elle promène le chien. Non, elle est où ta mère? C'est pas sa mère, c'est toi sa mère. Moi, sa mère. J'ai voulu tout ça. Ramasse tout ça. On s'en fout. Tu sais quoi? On s'en va. On fait des conneries. On s'en va. Non, on s'en va. C'est ma faute. Si tous les gens feraient comme vous, on serait peut-être pas encore ici. Les gens, c'est quoi les gens comme nous? Les gens comme vous qui jettent autant de déchets par terre. Mais tu parles français, toi? Parce que... Et vous, vous êtes ivre comme jamais et... Jamais, c'est qui? Tu le connais? Ah non, je l'ai jamais. Et les cigarettes? Tu le connais jamais? Jamais. Et les cigarettes? Jamais. Vous savez qu'il n'y en a plus, vous savez ce que ça provoque? Un cancer. Et alors? Et bien vous allez mourir. Et bien vous allez mourir un jour. C'est quoi ces gamins là qui veulent nous faire la morale? On vous dit de faire des choses, vous nous écoutez pas. Je pense qu'on est plus intelligent que vous, d'accord? Bah oui. Bah non. Bah oui. Tu sais ce que tu dis, toi? C'était moi, ça. Et puis quoi encore? Tu vas pas me salir. Non, non, mais ne reprenez pas tout ça, c'est pas la peine. Laissez-le. Et puis j'étais ça quand vous y êtes. Laisse. Non, laisse pas. Laisse. Mais lui, là, il rigole. C'est pas nous. On dirait le Joker, là. Il rigole comme un imbécile. C'est le fils de qui, celui-là? Qu'est-ce que ça peut te foutre? Ouais, je suis d'accord. Ça peut te foutre quoi? Nous, on n'est pas là pour rigoler, on est là pour sauver la planète. T'as compris? Vous, qu'est-ce que vous faites? Il a une tête à sauver la planète. Regarde, j'ai une tête à sauver la planète. Stop, qu'est-ce qu'ils vont faire? Maintenant, vous allez ramasser ces déchets. Vous savez, j'ai des papiers. Et vous allez vous en allez. Même pas la police nous fait ramasser les déchets. Ah ouais, on peut très bien l'appeler, la police. L'appeler par quoi? Moi, tu sais ce que je fais, moi? Je l'appelle, la police, avec un couteau, et je l'appelle, je lui enlève la peau. Ils ont la pelade. Mais qu'est-ce que vous faites encore sur Terre? En fait, vous êtes complètement fous. C'est nous qui vous avez fait. On vous a fait. Taisez-vous. On vous a fait. Ramasser ces déchets à poids, c'est tout. Les enfants, ils n'ont pas le dernier mot. Les enfants, au moins, ils sont plus intelligents que vous trois, là. C'est nous qui vous... Qui c'est qui t'a fait venir? C'est ta mère. On n'a pas demandé vos avis. Bon, maman, tais-toi, s'il te plaît. Déjà, tu me dis pas de me taire. Si, tu te tais. Non, tu me dis pas de me taire. Et tu vas ramasser tout ça. Hé, ça va? Tu passes un bon moment? On se connaît? Je sais pas, Virginie, tu me remets pas? Virginie. Je sais pas, je suis la mère de la petite, Lana, avec qui la petite qu'on vient de trouver dans les bois, elle traîne. Non, tu ne situes pas? Je crois que je te vois pas venir. Le nerveux. Elle connaît pas son prénom, la petite. Tu crois qu'elle sait ce que c'est, l'argent? Tu crois que je sais pas ce que tu fais? Tiens, escroc. Ah bon? Tiens, escroc. Mais tu vois pas? Tu es qui pour me parler comme ça? Je suis qui? Moi, je sais en tout cas que tiens, escroc. Tu vas profiter d'une minote pour faire quoi? Pour faire 2-3 spectacles de danse? Tu lui fais miroiter Las Vegas? Tu crois qu'elle m'a rien raconté? Allez, circule. Tu l'approches? Écoute-moi. Non. Moi, je vais pas rigoler longtemps. Écoute-moi. Je vais vraiment pas rigoler. Écoute-moi. Longtemps, déjà, tu... Moi, je vais l'adopter. Je vais écoute-moi. En prendre soin. Écoute-moi un peu aussi. Moi, je t'écoute maintenant. Maintenant, tu m'écoutes. Hein? T'arrives même pas à élever, t'arrives même pas à t'assumer toi-même, et tu viens me faire le moral à moi. C'est une mère indigne. Ne va pas raconter des histoires. Raphaël, regarde ses parents qui se disputent. Vous en avez pas marre? Vous n'avez pas marre de vous disputer pour un enfant qui ne veut rien d'autre qu'être libre?